Eh bien salut tout le monde, c'est Pandax, on se retrouve pour l'épisode 6. J'espère que vous allez bien. Voilà, petite intro de merde, mais ça va. Alors, j'ai encore envie de me boucher. Excellent début de vidéo, je reviens. Franchement, on kiffe les débuts comme ça. C'est un escargot. Pour une raison inexplicable, vous vous demandez... quel goût il pourrait avoir. Oula oula. Scargo, scargo. Un long voyage t'attend encore. Ok. Elle va nous parler de sa récolte. Pas de sa récolte. Sa réserve d'escargot. Tu veux jouer à un jeu qui s'appelle course escargot. Les escargots font la course. Si le jaune gagne, tu gagnes. Stipez où la partie. Martel Z pour encourager ton escargot. On commence. 3. 2, 1. Je fais un test personnel. Et à chaque fois que vous l'encouragez, il s'arrête. Si tu spam, bah il panique. Il crame. On peut plus. Voilà. Ah, grosse course, hein. Tu as trop encouragé ton escargot. Toute cette pression. Putain, je les démonte le truc. Non, c'est bon. C'est impossible de gagner. Dabstablock, je t'aimais bien, mais tu commences à faire des arnaques. Là, je suis déçu de toi. Alors, continuons. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai quelques jolies babioles à vendre. Ça t'intéresse? Pas vrai d'être. Donne 18 PV et booste la vitesse en combat. La cité. Armure, 5 défense, moins 5, invincible, plus longtemps. Ok. 2 attaques, moins 5, invincible, plus longtemps. Ok. Donc si tu prends ces deux-là, en fait, quand tu prends un dégât, bah t'es invincible un peu plus longtemps. Mais tu prends plus tarif. Soit 10 PV et pousse la vitesse en combat. Tu as trop de trucs sur toi. Parler. Oh putain, j'ai la flemme. Bah je veux continuer à jouer. Je suis désolé à ceux qui voulaient voir ce dialogue. Mais j'ai pas envie. Teaser la boîte. Résidu canin. Pardon. On dépose un peu de trucs. Hein. Résidu canin. Objet chien. Un puzzle qu'un chien n'a pas... D'accord. Bah, je vais le laisser. Écoutez, laissons-le. Blessé, battu et craignant pour nos vies, nous abandonnâmes face aux humains. Sept de leurs plus grands magiciens nous scellèrent sous terre à l'aide d'un sortilège. Le sceau fait entrer quiconque le désire, mais une âme forte est nécessaire pour sortir. Il existe un seul moyen de briser le sortilège. Si la barrière était frappée, une force égale à celle des sept âmes humaines, elle serait annihilée. Cet endroit maudit et dépourvu d'entrée comme de sortie. Impossible pour un humain de parvenir jusqu'ici. Nous voilà donc coincés ici-bas pour l'éternité. Eh, hein? Je suis un PG. Je vous l'ai dit ou pas que j'étais trop fort? Et là, on va arriver à quelque chose d'excellent, mesdames et messieurs. Suivez-vous? Il y a un easter egg. Bah déjà, l'ennemi spécial Temi est là pour en finir avec toi. Temi, c'est tiré par les. Dourir avec Temi Flakes. Je peux pas, j'en ai pas. Parce qu'on va juste s'enfuir. Ah, je peux pas, merde. Vous avez fui. Voilà. Si tu vas par là. Allô, bienvenue au village thème. Riche histoire de thème. Dracou est un petit chien. Allô, moi c'est Temi. Ça c'est mon ami Temi. Allô, moi c'est Temi. Ça c'est mon ami Temi. Ils savent pas parler. Allô, moi c'est Temi. Oublie pas mon ami. Salut. Moi, c'est Bob.
Ouais, c'est Bob, salut. Ah ouah ouah ouah, les humains c'est trop mignon. Thème, surveille l'œuf. L'œuf va éclore et Thème part en très fier. C'est un œuf dur. Danse champignon, danse champignon. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi que ça veut dire? Symbolise mon éternelle lutte intérieure, retenue parce que je suis... Je l'ai débouché. Mon désir de m'arracher de cette existence sans jamais y parvenir. Thème appris que humain allergique à Thème. C'est pas grave, Thème comprend. Thème allergique à Thème aussi. Oh putain. Thème allergique à Thème. Merde. Statue de Thème très très célèbre. Très très. Vous ressentez un truc. Cela vous emplit de détermination. Détermination. C'est pas mal. Allez, bienvenue à la boutique Thème. Thème Flex. Soigne de PV, nourriture à Thème. Nourriture à Thème pas cher. En solde. Ouais, ouais. Merci pour les achats. Pour que Thème étudie. Étudie Thème, suit des études supérieures. T'as pas assez d'argent. Thème Flakes, très cher. Oh putain, what the fuck. Allez, bienvenue à la boutique Thème. Et là, tu peux lui vendre des choses. Sauf que lui, il y a une astuce. Vous voyez le fameux résidu canin? Tu veux l'utiliser? Le reste de votre inventaire se retrouve submergé par du résidu canin. Voilà. Là, t'as plein de trucs sur toi. Si tu fais vendre et que tu vends tes résidus canins, bah oui, ça fait ce que tu crois. Pour l'école. Là tu lui dis non, il fait quoi? Mais s'il te plaît, il te le vend plus cher. Et tu peux te faire de la thune comme ça. Voilà. Bon en soi je m'en fous donc je vais tout vendre. Mais voilà, si vous êtes vraiment à court d'argent, bah vous avez ça. Bon, on va se barrer les Thémis. Hein. Au revoir les Thémis. Attends. Surtout on va dire au revoir à Bob. Hein. Bob, très très important comme personnage du jeu. Alors, si vous regardez YouTubers React to Undertale Village Thémis, la réaction des gens devant ce Bob est quand même excellente. Parce qu'en anglais c'est quand même plus marrant. Vous marchez sur J du scul. Ouais ouais ouais, pardon. Ah, lui il veut pas. Mais d'où? Je t'imite. Vous approchez du J du scul quand soudain. Oh putain! Au secours! Au secours! Au secours! Tiens, son espace personnel, je dois faire quoi? Décaliné, caliné, caliné. Ou la couverture de slip, vitesse réduite. Bruit visqueux. Ah putain, la lenteur! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Remue timidement. Faire quoi? Faut le décaliner. Et à l'aise avec votre présence. Ok. Bah, je sais pas ce qu'il fallait faire. Il fallait peut-être le câliner et le décaliner, j'imagine. La 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 la. On en est que à 9 minutes. Eh, ça c'est bien ça. Tac, ok. Sans bougie ni magie pour les guides vers la maison, les monstres cédèrent de cristaux. Décédé très bientôt. Je vois plus rien. Je suis perdu.
C'est par où, putain, merde. Par là, on y croit, une sortie. Ah. J'ai fui. Ça fait peur, cette zone, si je peux me permettre. Derrière toi. Ah, putain. Évidemment. Vous avez cru que ça allait marcher comme ça? 7. 7 âmes humaines. Avec leur pouvoir combiné, notre roi, le roi Asgore Dreamer, deviendra un dieu. Avec leur pouvoir, Asgore pourra enfin détruire la barrière. Et alors, il pourra enfin reprendre la surface des mains de l'humanité. Tout en lui rendant au centuple toute la souffrance que nous avons endurée. Tu saisis, l'humain? Ceci est ton ultime chance de rédemption. Donne-moi ton âme, ou je viendrai moi-même l'arracher à ton corps. Undyne, je vais t'aider à combattre. Putain. Yo, t'as réussi. Undyne est juste devant toi. T'es carrément au premier rang pour la voir se battre. Attends un peu. Quand si elle se bat. Tire pas, tire pas. Putain. Eh mais lui, il nous sauve la mise. En fait, il était là en fait depuis tout à l'heure. Lui, il était bien. Bah écoute, heureusement qu'il était là. Si je te le dis, tu me ramènes de ne pas te moquer de moi. Ah, c'est encore le vœu de tout à l'heure. Je vais pas me moquer. J'aimerais pouvoir escalader cette montagne sous laquelle on est tous enterrés. Avoir le ciel au-dessus de la tête, admirer le paysage tout autour. C'est ça mon souhait. Vous auriez quelqu'un qui l'acté de rire. Eh, t'avais dit que tu te moquais, t'allais pas te moquer. Oui, pardon, c'est juste que je trouve ça amusant. C'est exactement mon souhait. Il existe une prophétie. L'ange, celui qui a vu la surface, son retour est certain, et alors l'outre-monde ne sera plus qu'un désert. D'accord. Il y a un monsieur, il est parti à la surface, quand il reviendra, il n'y aura plus personne sous terre. Très bien. Yo! Hey. Yo, je suis pas censé être dans le coin, mais je voulais te demander. Zut, c'est la première fois que je te demande ça, que je demande ça à quelqu'un. T'es un humain, pas vrai? Ah, waouh, je le savais. Enfin, maintenant, je le sais, je veux dire. Undyne m'a dit, ne t'approche pas de cet humain. Et donc, j'imagine que ça fait de nous des ennemis, pas vrai? Mais je suis pas très à l'aise pour ces trucs. Ah. Tu peux me dire une méchanceté histoire que je te déteste? S'il te plaît. Non. Quoi? C'est à moi de le faire alors? Bon, c'est parti. Yo, je te déteste à mort. Je suis vraiment un boulet. Je vais rentrer chez moi maintenant. Oh merde. Eh hey, attends, à l'aide, je suis glissé. Qu'est-ce qu'elle allait faire là? Moi je l'aide. Alors? Yo, toi là, si tu veux faire du mal à mes amis, faudrait d'abord me passer sur le corps. Ah bah elle va pas tuer les innocents. Elle va s'en aller. Au revoir Undyne. Eh mais ce petit gars, mais... Elle est partie. Tu m'as vraiment sauvé la peau. C'était peut-être, je peux le t'en dire. Si on devenait amis à la place. Waouh, faut vraiment que je rentre chez moi. Mes parents doivent être en train de se faire un sang d'encre. Casse pas la gueule, hein. Plus, poteau. Voilà. Nous avons sauvé un dinosaure qui ne tient pas debout. C'est pas mal. Très fier de moi. Pas un point de sauvegarde, là, je sais pas. Et là. 7. Avec cette âme humaine, le roi Asgore pourra enfin devenir un dieu. 6. C'est le nombre d'âmes que l'on a pu rassembler jusqu'à présent. Tu saisis, ton âme, la 7e, sera la clé d'un nouvel avenir pour ce monde. Mais tout d'abord, comme il est du jazz pour ceux qui atteignent cet endroit en vie, je vais te raconter la tragique histoire de notre peuple. Tout commença il y a très très longtemps.
Tu sais quoi? On s'en tape! À quoi bon te raconter cette histoire? Alors que je m'apprête à te tuer! Toi, oui, toi! Tu obstacles à la réalisation de tous nos rêves et nos espoirs. Les archives d'Alphys m'ont fait croire que les humains étaient cool, avec leurs robots géants et leurs princesses guerrières. Mais toi, t'es juste molle! Te planquer comme ça derrière ce mioche afin de mieux m'échapper. Et je ne m'étendrai pas sur ta petite comédie à l'eau de rose. Ouh. Regardez-moi quel gentil humain je fais à câliner des gens au pif. C'est ce qui ferait encore plus plaisir à tous ces gens. Ta mort. Et ouais, humain, ta simple existence constitue un délit. Notre liberté à tous ne tient qu'à une simple vie humaine. À cet instant, les cœurs de chacun ici battent de concert. Tous auront attendu cet instant, toute leur vie, durant. Et nous ne craignons rien. Lorsque tout un peuple s'unit, la défaite n'est qu'un mauvais rêve. À présent, l'humain, finissons-en, ici et maintenant. Laisse-moi te montrer à quel point les monstres peuvent être déterminés. Fais un pas en avant lorsque tu souhaites commencer. Et le point de sauvegarde qui pop. Le vent hurle, cela vous emplit de détermination. Zone d'Undyne. Alors ça y est, hein? Cette fois tu pourras pas te défiler. Me voilà! Regarde! Examine. Attaque 50, défense 20. L'héroïne qui n'abandonne jamais. Tant que t'es vert, tu peux pas m'échapper. À moins que tu apprennes à faire face au danger. Tu tiendras pas plus d'une seconde contre moi. Martèle le sol. Repense à ses amis et martèle le sol de ses poings. Supplie. Vous dites à Undyne que vous ne voulez pas combattre. Mais ça ne donne rien. Joli, mais que dis-tu de ça? Voilà. Brandit son poing devant elle en secouant la tête. Quelle danse, très bien. Défi. Vous dites à Undyne que ses attaques sont trop faibles. Les projectiles accélèrent. Des années qu'on rêve tous d'un des nouveaux héros. Undyne repense ses amis et martèle le sol de ses poings. Undyne, on va la redéfier. Et à présent, je peux presque sentir la chaleur du soleil. Tressaute d'impatience. On va la redéfier. Repense ses amis. Je dis à Undyne que ses attaques sont trop faibles. Elle s'en moque. Fini de rire. Là je fais de la merde. What? D'accord, là je pouvais bouger. Et là l'astuce, je peux m'enfuir. C'est, elle m'avait dit je peux, tu peux pas t'enfuir si tu es rouge. Enfin si tu es vert, pardon. Là je suis rouge. Enfuis. Je me casse d'ici. Au revoir Undyne. Merde. Payafil qui me dit viens TS. Et bah j'arrive, deux secondes. Tu ne m'échapperas pas. On va juste l'épargner. C'est une faveur que je fais. Oh la bâtarde. Cesse de résister à ce point. Vous avez fui. Au revoir. C'est la dernière fois que tu m'échappes. Jaune, ça veut dire en gros si ça arrive à droite, ça va attaquer à gauche. Et inversement. Je vois que... Je déteste cette attaque. Putain, je l'ai pas nourri, le flé. Putain, merde.
Et maintenant, j'ai pas vu. Maintenant, ah, je crois que c'est en mode tu vas mourir maintenant, bordel. En gros, elle veut que je meure, mais moi je suis un résistant de la mort. Ah, mais tu vas crever le Namo. La panique, la panique. Fuir. Cours pour ta vie. Salut, quoi de neuf, je me disais. On devrait se faire un truc, toi, moi, Yundyne. Je sens que vous vous entendriez bien. Retrouve-moi chez elle un peu plus tard. Putain, quel bâtard. Arrête de fuir comme ça. Elle m'a pas remis vert. Allez, salut. Bienvenue à quelque chose. Salut, Sat. Merde. Allez. Ça, c'était le combat contre Endine, les enfants. Mon armure, trop chaude. Je peux pas laisser tomber. Bah alors. Non, en gros, elle a chaud, du coup, prends un petit verre d'eau. Et de l'eau, Endine. Tiens, je te pisse dessus. Alors. Ça, je suis un monstre. Ah ouais. Qu'est-ce que tu vas faire hein? Allez, tu peux t'en aller. Ah là là. Et le petit point de sauvegarde qui fait kiffer. Voir le laboratoire si étant de l'endroit comme celui-ci, ça vous emplit de détermination. La rentrée du labo, le labo, il est là. Mais. On va s'arrêter là. Il est un peu plus tôt que d'habitude, mais c'est pas grave, on s'arrête là. Merci d'avoir regardé cet épisode. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à le partager, à vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. La prochaine fois, nous retournerons dans la maison qu'on savait pas à quelle était qu'on avait toqué, il y avait personne, pour retrouver Papyrus Undyne là-bas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.